Bonjour, vous êtes franchisé Senior Company. Pouvez-vous vous présenter personnellement ? Bonjour, j'ai 47 ans, je suis mère de famille de 4 enfants. Je suis franchisée Senior Company. J'ai toujours été dans ma vie chef d'entreprise depuis mon plus jeune âge, on va dire, puisque moi-même, fille de chef d'entreprise, j'ai toujours travaillé pour mon compte. Pourquoi avoir choisi Senior Company ? J'ai choisi de rejoindre le réseau Senior Compagnie, d'abord parce que je suis convaincue que compte tenu de l'allongement de la durée de vie, c'est un secteur qui est porteur. On ne vient jamais dans un métier par hasard, c'est une reconversion, vous l'aurez compris, et elle est due à une histoire personnelle, celle de mes grands-mères de 96 et 104 ans, pour lesquelles le problème du maintien à domicile s'était posé. Je n'étais pas encore dans le réseau Senior Compagnie et c'est ce qui m'a donné envie de me pencher dans le secteur du maintien à domicile pour les personnes âgées. Senior Compagnie également parce que c'est une équipe jeune, dynamique, qui connaît parfaitement et qui maîtrise parfaitement ce secteur du maintien à domicile pour personnes âgées et handicapées. Et leur expertise et leur chaleur humaine m'a tout de suite convaincue que c'était vers Senior Compagnie qu'il fallait que je m'oriente. Quel bilan tirez-vous de votre expérience au sein du réseau Senior Compagnie ? Alors l'expérience, c'est une expérience qui est assez jeune puisque j'ai démarré il y a à peine un an, c'était au mois de septembre. Et c'est un bilan, une expérience très positive, déjà sur le plan humain, parce que c'est un métier qui est gratifiant. Quand on s'efforce de faire des prestations et des prises en charge réussies, les gens savent vous remercier du bien-être qu'on leur apporte. Sur le plan professionnel et business, c'est aussi une expérience positive. C'est vrai que c'est un investissement important sur le plan personnel, il ne faut pas ménager sa peine. Il y a beaucoup de commercial à faire, des prescripteurs à visiter, que ce soit au sein des hôpitaux, des mairies, des assistantes sociales, les médecins. Mais lorsque ce travail est bien fait, il porte ses fruits et je pense que ma progression est le résultat visible de cet investissement. Donc oui, aujourd'hui je peux dire que c'est un bilan positif et que les perspectives sont bonnes. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt.